Je m'appelle Christophe Jourdan, je suis chercheur au CIRAD. Je travaille sur les systèmes racinaires des arbres. Dans le projet Ecosfix, nous avons trois services écosystémiques qui sont étudiés. Le stockage du carbone, la fixation du sol par les racines et la redistribution hydraulique. Ici, à Restinclière, nous étudions le stockage du carbone. Quand est-ce que les racines fines, enfin quand est-ce que les racines elles poussent par rapport au débourrement des feuilles et tout ça, donc celui qu'on mettra par exemple là-bas, on le soumettra un peu plus loin. On fait ça. Donc à ce titre, nous avons installé des mini rhizotrons. Ce sont des tubes transparents dans le sol pour mesurer la dynamique racinaire au cours du temps. On utilise un scanner circulaire qui est inséré dans le tube et on fait des images tous les 20 cm de longueur de tube. Donc on a 5 images sur un tube de 1 mètre et on fait ces images toutes les semaines ou tous les mois, ou ça dépend de la vitesse de croissance de l'arbre. Donc on a installé ce dispositif de mesure de dynamique de croissance racinaire au Costa Rica. On a déjà 30 tubes installés depuis 2 ans sur du caféier à l'ombre et caféier plein soleil. On a des tubes installés au Laos, on a aussi dans différents systèmes, des systèmes avec du teck en culture pure et des systèmes avec de la jachère et des systèmes avec du riz aussi pur. Le quatrième site du projet Cosfix est Champs-Rousses. Là, nous n'avons pas ce même système de tubes, mais des vitres qui sont installées directement dans le sol. Pourquoi on n'a pas pu installer ces tubes? Parce qu'il nous faut pouvoir perforer le sol sur une distance d'un mètre, une profondeur d'un mètre. Et au Costa, à Champs-Rousses, on n'a que de la pierre. Et c'est plus facile de faire un grand trou et installer une vitre plutôt que d'installer des tubes par carottage. Après. Donc là, moi, ce que je suis en train de faire, c'est de noter les températures, parce que c'est important pour savoir après comment poussent les racines. Donc, soit on utilise un scanner plat, soit on fait des dessins de racines, vu qu'on a accès à la vitre, sur du transparent, et on analyse ces relevés. Le but est de regarder la dynamique de croissance des racines. Pourquoi? Pour estimer la quantité de carbone qui est fabriquée par les racines, pour pouvoir faire un bilan carbone à l'échelle de notre écosystème, on a besoin de savoir quelle est la quantité de carbone investie dans le système racinaire. Parallèlement à ça, on fait des mesures de carbone dans le sol, mais bon, c'est pas l'objet de mon travail. Donc là, il faut mettre ça dans la terre. Mais nous l'avons fait comme ça parce qu'il faut... Alors, où est-ce qu'il y a des nouvelles racines? Ici, il y a des nouvelles racines. Tout le carbone qui va être alloué aux racines par la croissance de racines, racines fines mais aussi racines grosses, c'est du carbone qui est stocké pour un temps non indéfini, mais qui est stocké dans le sol. Sur une année, croissance de grosses racines permet de stocker du carbone. Les racines fines ont une durée de vie très courte, de plusieurs mois. Le carbone va être stocké de façon temporaire, 3-4 mois. Ensuite, elles vont mourir, se décomposer, et la décomposition va libérer du CO2. Ce CO2 va transiter dans le sol un certain temps, et puis va être libéré dans l'atmosphère. Là, on parle de déstockage.